Hello, bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Cuisine Patty. Toujours un plaisir de partager mes recettes avec vous. Aujourd'hui, c'est comment savoir-faire un gâteau cimetière. Je profite pour vous souhaiter de passer un bon Halloween en famille. Suivez les étapes et je vous dis à tout à l'heure. Et pour cette recette, je vais commencer par les biscuits. Pour réaliser ces biscuits, je vais utiliser 60 g de sucre glace bien tamisé, 120 g de beurre mou, 100 g de poudre de noix de coco. Vous voyez, c'est de la poudre de noix de coco. 150 g de farine T45. 2 œufs, une bonne pincée de sel, de la poudre d'anis, c'est facultatif, et un rhum vanille. Fini de réaliser des biscuits qui vont servir de clôture pour le cimetière. Je vais réaliser une génoise au chocolat. Pour la recette de la génoise au chocolat, je vais utiliser 200 g de farine T45, 30 g de poudre de cacao amer, une bonne pincée de sel, 7 g de levure chimique, 3 œufs, 160 g de sucre en poudre et 20 centilitres de crème liquide entière. J'ai allumé mon four à 180 degrés.
dans un bol. Je vais fouetter les œufs. La crème liquide entière. Le sucre. Ensuite, je mélange la poudre cacao à ma farine. La levure aussi. Et je vais incorporer en trois fois le liquide. La pincée de sel. Et termine avec la farine. J'ai beurré et fariné un moule rectangulaire. Une fois bien mélangé, je renverse le contenu dans mon moule rectangulaire. Que je vais enfourner 20 minutes. C'est parti pour le four. C'est fini avec le tuto du gâteau cimetière. J'espère que vous avez aimé, likez, partagez. Je vous dis à très bientôt pour encore une belle recette. Au revoir.